Alors, on lance. Normalement, ça va mettre un petit temps, mais ça devrait arriver sur Twitch dans les prochaines secondes. Voilà. On a bien niqué la saturation du son dès le départ. Bonsoir à tous, même si pour l'instant je pense que tous, ça va se résumer à pas grand monde. Donc j'espère que, enfin normalement je ferai peut-être cette rediff sur YouTube. On verra bien. Alors, il semblerait que nous avons Issam. Issam qui va peut-être tenter de regarder. J'espère que tu auras un excellent pour. Alors oui, non, pour l'instant le jeu n'est pas encore lancé. Juste que je profite un peu pour profiter de l'artwork en lui-même, qui sert de fond à ce live. Vois ma souris ici. Je n'ai aucune vu que je sais pas, je ne vais avoir aucun retour, ça va être un peu gênant. Est-ce que le live a démarré? J'espère qu'il a démarré surtout. Bah, je pense qu'à mon avis, il a dû démarrer. Donc, d'abord, avant de lancer le jeu, déjà une petite, on va dire, surprise qui n'était pas prévue à la base. Vu que, ben, en fait, quand j'ai paramétré un petit peu le fond, donc il a changé par rapport à ce que j'ai fait par rapport à Color Splash, il me restait en fait la webcam. Et la webcam me servait à filmer. Me servait à filmer. Comment ça s'appelle? Ben, le gamepad, parce que pour le Color Splash, j'avais besoin de filmer le gamepad pour vous montrer un peu ce que j'ai sur le gamepad, et il y avait des choses assez importantes. Mais là, vu que j'ai pas de gamepad à filmer, ben, la webcam, ben, qu'est-ce qu'elle peut filmer? Eh ben, elle peut filmer un abruti. Bonsoir à tous, c'est une première pour le coup. Alors oui, donc l'absence de swag absolu sur ces écouteurs qui vous éviteront d'avoir un écho dans tous les sens. Voilà, donc je me lance dans le Twitch game avec une webcam qui doit être pas terrible. Enfin, la qualité était suffisamment bonne visiblement pour la Color Splash. Alors pourquoi j'ai une casquette? Tout simplement parce que je fais ce que je veux, voilà. Disons que bon, ça changera pas grand-chose, donc c'est un peu le foutra comme ça. Donc je dis une casquette au moins, on se posera pas la question. Les jeux dépassent un peu, je dois me les faire couper dans pas longtemps, c'est pas grave. Et donc, bienvenue pour ce live qui sera consacré à M2R. À M2R, pour ceux qui savent pas, c'est un fan game. C'est un fan game qui a été injustement bloqué par Nintendo. Ce qui est triste, parce que des retours que j'en ai eu, ça avait l'air d'être assez cool. Et donc, vu que j'ai un petit peu de rab, là, je ne vais pas attaquer les prochains lives. J'avais prévu, après Color Splash, de faire soit Zelda 2, soit faire Pikmin 2, mais les vacances de Noël arrivant, je me suis dit, je vais peut-être faire un petit jeu entre-temps pour meubler, en attendant de pouvoir vraiment démarrer en janvier les lives de Color, de pas de Color Splash, de Zelda 2 ou de Pikmin 2, dans le désordre, je ne sais pas lequel. Ça se trouve, j'alternerai, ça se trouve, voilà, on verra bien. Sur ce, nous allons lancer le jeu. Normalement, si tout va bien, voilà. Alors, par contre, évidemment, quand je n'ai aucun retour de personne, je ne saurais pas si le son est bien configuré. Si le son est pas trop fort par rapport à ma voix. Ça me stresse, ce petit truc qui fait comme ça. C'est tout con, mais hop là. Chez moi, voilà. Metroid 2. Donc, fan remake de. Alors, il faudrait que je passe dans les crédits pour revoir le nom exactement du créateur. Alors, à savoir que j'y joue avec une manette GameCube parce que je suis un gros thug. J'ai pas du tout de manette 360 ou quoi. Mais grâce au. Le jeu me semble un peu fort. Je vais demander quand même à s'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir. Quelqu'un pourrait venir dire juste si le son
du live est bon. Bonus. Je montre. Alors, c'est le pré-live évidemment, donc on va être là à peu près pour 2 heures, je pense. C'est pas ça là comme d'habitude. Merde, c'est dommage, Issem qui peut pas venir, ça me fait un peu chier là, parce que Issem est. Coucou Matt, très bien. Est-ce que tu peux me dire si le son et le. Le son. Enfin, le son et. Le son du jeu n'est pas trop fort par rapport à ma main. Ça, oui, ça marche, ça je sais, merci. C'est là, juste au niveau du son en fait. Si tu peux me dire si. Mais ta gueule n'est pas synchro avec ta voix. Ah! Ma gueule n'est pas synchro avec ma voix, ce qui est pas normal. Vous savez, pour le coup, là, j'ai pas besoin du décalage, donc. J'avais un décalage pour. Voilà. Voilà, là, ça devrait être bon normalement. Je devrais avoir un. Je devrais avoir un son qui est bon. Je crois que ta facecam a quelques secondes d'avance. Oui, c'est normal. En fait, j'avais le décalage de Color Splash qui faisait que j'avais la webcam qui était décalée et le son qui était décalé aussi. Sauf que pour une raison que je comprends pas trop, en fait, le son a. Enfin, en fait, j'ai dû remettre la webcam. Donc la webcam est réinitialisée. Par contre, le son était toujours programmé avec une seconde de retard. Parce que je filmais avec l'Elgato et l'Elgato, tu sais, un peu de retard. Donc là, je filme en direct normalement. Là, c'est bon, très bien. Et au niveau son. Le son du jeu est pas trop fort, on m'entend. Juste pour ça. Après, je te laisserai. Tranquille, ne t'inquiète pas. De l'eau. Ça a l'air tout bon. Mais merci d'être passé. Je retourne à tes occupations. Parce que le bougre ne veut pas arrêter le live parce qu'il veut faire le jeu plus tard, ce qui est logique. Même si bon. Je cite, c'est exactement la même personne qui a eu Color Splash un mois à l'avance par rapport à tout le monde et qui est toujours chapitre 3. Parce que sinon, c'est pas drôle. Et je me rends compte que cette avancée vers. Issem qui tente de venir, mais malheureusement. Free sa mère. Tu m'as spoil l'écran titre. Bon, bah, attention, l'écran titre, si tu l'avais pas vu tourner, TG. Oh, les larmes qui coulent. Bref, merci d'être passé. Tu repasses quand tu veux, et puis après, bon, j'espère que je t'aurai au moins pour Zelda 2, quoi, parce que. Sinon, ça va être triste. Tu pourras jamais venir sur mes lives si tu viens jamais sur des trucs que. Que des trucs que je fais pas. Bon, donc, vu comme c'est parti d'avance, comme d'habitude, 7 trucs sera certainement diffusé sur YouTube, histoire que je ne filme pas pour rien. Parce que pauvre Issem ne peut pas venir et ma trio, bah, pas. Donc, à moins qu'un Bito sauvage ou un San sauvage ou un jeu de qui. Zelda 2, tu viendras, parfait. Je ferai Zelda 2 histoire de bonnes raisons pour te faire venir. Allez, bis, des bisous, et ben moi je vais attaquer, tout bêtement. Hein. Donc je remets. Parce que là j'ai le retour du live, mais il faut peut-être que je mette le jeu. Le problème c'est que le jeu, comme je l'ai fermé. Enfin, je l'ai fermé. Je l'ai pas fermé, mais parce qu'il est là. Voilà. Hop là. Donc, faut que tu fasses My Sims. Alors, je vais faire un tour de magie. Alors, tu vois derrière cette main. Et va apparaître un truc magique, c'est. Oh! Oh! Oh ben! Oh ben! Oh ben! Oh ben! Sérieusement? Mais Sims, t'es sérieux? Nah! Voilà, bref. Eh bien, vas-y. Oh! Easy normal. Ah bon, on va se mettre en normal.
parce que je suis, enfin, j'ai pas une expérience phénoménale en Metroid. J'ai surtout fait les Metroid Prime, que j'adore. Je trouve que c'est une de mes sagas préférées. J'ai attaqué assez tard, mais j'adore le principe. J'étais assez fâché avec les FPS, mais les Metroid Prime, ils sont vraiment géniaux. Les trois. Le quatrième sur DS, c'est pas. Il est pas, voilà, enfin, il est sympa, mais sans plus. Donc je n'ai fait que Metroid Fusion, et encore je ne l'ai pas terminé. Enfin si, j'ai fait Metroid Premier, non, mais j'ai galéré sans solution, c'était une erreur. Metroid, nombreux incidents dans le passé ont mis en lumière le fort pouvoir destructeur de ces formes de vie. J'arrive pas à lire, bref. En espérant sécuriser la paix dans la galaxie, la Fédération Galactique a ordonné l'extermination de l'espèce des Métroïdes. J'étais la meilleure candidate pour le job. Je sais pas ce que c'est, ça. Il est mauvais, Fédération de Force. Je parle de Metroid Prime. Merde. Encore une fois, j'ai trouvé. Bah, tout seul dans le contre la Metroïna, la menace Metroïde. Qu'est-ce que m'allait m'attendre dans les profondeurs de leur monde total? Je parlais pas de Fédération Force, je parlais de Metroid Prime Hunters sur DS. C'est vrai que j'avais complètement oublié de faire la Fédération Force, mais bon, c'est un cas à part. Je l'ai pas joué, il faut que j'y joue, moi. Alors. Très bien. D'accord. B pour sauter, hop là. Alors j'ai des missiles, je ne sais pas trop comment les lancer. Pas se baisser. Attends, on déjà. On peut enchaîner sur un morph-ball comme ça. Il y a un bouton pour la morph-ball, mais on peut. D'accord, on peut se baisser, mais on peut pas se baisser en même temps, ça c'est pas logique. Autant que je prenne un peu le. Ah, il doit y avoir. Je suppose que c'est la morph-ball. Il y a des bombes pour la morph-ball ou. J'ai peut-être pas ce qu'il faut. Attends, réfléchissons. Voilà, maintenant. Tout cas, le jeu est beau. Hein. Alors, là, ouais, alors, à la base, le jeu était sorti sur Game Boy. Il faut savoir, c'est un jeu officiel. Enfin, à la base, c'est un jeu officiel, c'est Metroid 2. Il était en noir et blanc. Sauf que le mec s'est fait le pari fou, dire si je faisais si je le refaisais avec les sprites de Super Metroid qui était sorti sur Super NES. Ah, on peut s'accrocher, d'accord, c'est cool. Hop là. Il va falloir un peu du temps pour assimiler le gameplay, mais. Il n'y a pas de morphing, enfin les bons morphing. Oula, 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 je fais pas n'importe quoi là. Attends, sur la gauche. La pâte SR388. C'est bien, au moins il y a une map. Ça, c'était un peu ce qui me manquait à Metroid Premier du nom, c'est une map. Ça. Metroid Fusion, je l'ai bien aimé. J'ai jamais essayé sur Metroid. Je n'ai aucune idée de comment ça peut se jouer. Enfin, je suppose que c'est. Vu que ça pompe pas mal du. Enfin, pompe. On va parler le gameplay de Super Metroid.
Tous les sprites. Oula, j'ai un peu du mal, hein, avec le stick. Suis peut-être plus à l'aise avec un D-pad, mais bon, c'est. Les musiques sont super cool, en tout cas. Je sais pas si c'est des remixes des originaux, mais. Enfin, attends. Sinon, enfin, un remix, c'est pas une musique. C'est pas une musique originale d'ailleurs. Ah ouais, y'a de l'eau. Rien de. Et si ce n'est que pour l'instant, on n'a pas encore la tenue pour faire le public dans l'eau, je suppose. Alors, pour ceux qui vont peut-être se poser la question, parce que je me suis arrangé pour que la webcam n'ont pas trop le bordel qu'il y a la tête derrière moi. Enfin, il y a un gouvernement m'a voulu, machin. Mais alors, il y a ce machin qui dépasse. Ça, c'est un calendrier de l'Avent Kinder. Si vous posez la question, pour savoir pourquoi c'est le seul truc que je vois sur cet écran, c'est. Ne vous inquiétez pas, enfin, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez... Ah non, il va falloir le missile. Est-ce que j'ai des missiles? Alors. Attends, si. J'adore les missiles. Ah, ça c'est quoi? C'est une zone de sauvegarde? D'accord, c'est une zone de sauvegarde. Alors le jeu est très très... assez peu... Assez, enfin, un peu bavard, on peut dire ce qu'il est. Oula, déjà la lave? On peut s'accrocher là. Ah, ok. Je prends même pas les mécaniques en main. J'ai qu'un seul saut, j'ai pas encore le double saut. Oula. Ah, bonjour. Dieu forme, oula. Mouvement. B, c'est quoi B? J'ai pas compris quel était le bouton que je devais appuyer. Ah, attends, est-ce qu'il y a une zone qui craint mieux? Au-dessous, au-dessus? Enfin, ça, je tape un peu dans le vide. Avec des missiles. Ah oui! Je vais tirer avec des missiles au-dessous. Je joue très très mal. Ah, je suis passé déjà la première mort, très bien. Très bien. C'est ce qu'on appelle un fail. Oh, ouais, ben, je maîtrise pas du tout le gameplay pour l'instant, donc. Mais c'est vrai que. Les plateformers au stick seraient. Ah! J'ai un peu plus de mal. Mais bon, le jeu est vraiment bien configuré pour le contrôleur, donc je sais pas, c'est peut-être moi qui est mauvais, hein, c'est aussi. Manque d'habitude aussi, tout bêtement, c'est possible. Ah, 8, attends, c'est quoi 8? Je sais plus ce que c'est 8. C'est quoi bouton 8? C'est start normalement. Alors, ok, Power Suit, Morph Ball, Power Grip. D'accord. Resume Game, d'accord. Alors, Mission Briefing, d'accord. Dread Species. Alors, l'espèce de dominante de DSR388, de Metroid, de Shatter, enfin, je... chasse pour n'importe quelle forme d'énergie trouvée dans des organismes naturels ou synthétiques, laissant derrière eux des.
Ah, c'est enfin, c'est des déchets, je sais plus, je sais pas. Non, c'est pas vraiment des déchets, c'est des cartes, des cookies. Je sais pas trop comment faire ça. Il y a beaucoup de résistance aux. Enfin, ils sont énormément résistants aux armes conventionnelles et possèdent une grande adaptabilité dans les environnements étrangers. L'estimation suggère un petit nombre de métroïdes sont. Enfin, lâchés dans une population, dans une planète une planète habitée, pourrait conduire à l'extinction de toute vie présente dessus. Aussi, ils ont donné enfin, pris beaucoup d'attention pour les pirates de l'espace, qui ont plusieurs fois essayé d'utiliser comme arme biologique. Ça va être compliqué. J'espère ne pas avoir à. Ah, attends. Alpha Metroid, c'est ça. Alors, le Metroid Alpha a gagné une immunité aux températures froides. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Metroids de base craignent souvent le froid. La perte de plusieurs noyaux à l'intérieur de sa membrane verte a laissé une zone vulnérable. Enfin, une zone. Conclusive, je pense que ça doit être contendante. Non, non, c'est pas contendante, enfin, bref. Hein. Enfin, non. Un exosquelette plat était partiellement recouvert ici. L'organisme émergé depuis le molting, le boogie-boulga de sa forme larvaire. Il est agressif et c'est. Mais il est relativement faible à ce moment-là, à cette étape. Et ces nouveaux appendices n'a pas encore poussé, enfin grandi, grossi alors taille maximale. Alors, faut que je change d'arme. Ah, j'avais bien Shane là. Ah, ben voilà, ça se fait. C'est vraiment un boss pas compliqué, mais j'ai vraiment fait de la merde. Que se passe-t-il? Alors, le système de. Enfin, de. Le comment ça les nouvelles sera dans le système de grottes et c'est situé entre deux plaques tectoniques qui sont largement submergées par un magma caustique enfin un truc qui est très similaire au magma le récent tremblement de terre a altéré la grotte qui et donc à drainer le magma dans les profondeurs. La cause comment on a ça? Le tremblement de terre est inconnu, mais le scan orbital a détecté qu'il n'y avait pas d'instabilité dans la région. Là, c'est barré. Mais c'est tout, il n'y a pas de pour il n'y a pas de. C'est décevant. Enfin, il doit y avoir quelque chose, mais enfin, pas tout de suite pour l'instant. Bonjour, on va prendre sauvegarde. J'ai déjà tué un boss. Alors, le jeu n'est pas vendu comme étant très très long. Hein. Mais le mec a quand même bossé pendant 10 ans dessus, je crois. Hein. Je confonds peut-être avec Pokémon Uranium. Enfin, non, d'ailleurs, il y a eu deux fan games qui ont été vraiment annulés par Nintendo, à savoir Pokémon Uranium et Lokaem 2R. Et donc, oui, pour l'instant, Pokémon Uranium, ça fait plusieurs années, enfin, de nombreuses années qu'ils bossaient dessus. Alors que KM2R. Ouais, ça doit être 5 ans, je crois, 5 ans, 5 ou 6 ans de développement, quand même, c'est ce qui est pas mal. Hein. Pour un jeu de cette trempe-là. Sur la carte, je suis où? Ouais, faut que je revienne tout là-haut, d'accord.
Ok. D'accord, on peut mettre un petit waypoint. Doucement. Et tu gaspilles les. Ah! Allez, monte! Monte! Allons pas. Hop là. Ça, c'est quand même plus rapide de descendre. Hein. Ça veut dire rien. Hein. Peut-être qu'il y avait de la lave de l'autre côté et que je pouvais pas y accéder. Je suis du bon côté sans faire exprès. Ah, sauvegarde. La musique est très très cool. Alors. Ah, mais d'accord, ils sont vraiment. Ils ont une frame qui est un chiant avec ça. Je vais enlever la. Hop là. Évidemment, il n'y a rien de l'autre côté pour l'instant. Avant d'avoir deux couches différentes, je ne sais pas si les deux sont indépendantes ou. Ça donne peut-être sous la lave, je dirais. Hop là. On l'a vu. Ah d'accord, ça reste pas indéfiniment. C'est une source pour former un peu si on veut. Alors, là il y a de la lave. Je vais me dire Capitaine Obvious, certes, mais. C'est un peu caustique. Caustique, c'est le terme. Ça picote un peu, comme on dit. Ah, mais d'accord, peut-être. Attends, les ennemis sont attaquables? On peut attaquer l'ennemi ou... Ah, d'accord, on peut niquer l'ennemi, d'accord. Énergie pattern. 4 métroïdes détectés dans cette zone. C'est vrai que dans ce jeu-là, les métroïdes vont prendre pas mal de forme. On associe. Oula, c'était complètement con d'avoir fait ça. On associe souvent les métroïdes à leur forme larvaire, mais ils ont beaucoup de forme. La forme larvaire, c'est vraiment, comme on l'a dit, c'est une larve. Donc c'est le bébé, on va souvent le bébé Metroid, mais on va pas plus loin que le. Ah! Ça brûle! Alors c'est pas le moment de genre d'avoir des messages, je sais que j'ai beaucoup de fangirl et tout ça, mais non, c'est. Non. On parle que les ennemis ils ont l'impression d'avoir. Ils ont le casque de Samus. Ah d'accord, elle, ça permet de regarder en fait. Enfin, ouais, ça se configure. Est-ce que c'est important? On sait jamais, hein. C'est important, mais je répondrai un peu plus tard. Je ferai une petite pause, peut-être. Alors, attends, change de zone, là. Là, on a l'air de changer de zone, complètement. Alors ça, le design me rappelle un petit peu. Enfin, pas rien du tout, mais. La disposition des plateformes, ça rappelle déjà un peu plus Metroid 1.
des spawns à gogo. Ah! Trop d'ennemis, trop d'ennemis! Ah! Le temple d'or, enfin le temple doré. Le temple est situé sur la base d'une montagne. Une montagne. Holo, je sais pas, une montagne creuse peut-être. Holo, c'est creuse. Les statues creusées dans la pierre. Et enfin, vos designs solides. La structure a pu être un sanctuaire, possiblement avec une connotation religieuse. Le temple a vécu les affres du temps en montrant. Enfin, regarde le building knowledge, ton building knowledge, enfin, la connaissance de bâtiment, l'expérience des choses, voilà. Oui, c'est ça. Les scans détectent la présence d'une. Alors, des entités robotiques stationnaires placées à des endroits stratégiques à l'intérieur de la structure. Aucun signal de contrôle a été détecté et ces unités ont été. Enfin, opèrent naturellement. Genre, les chaussons sont une ancienne et mystérieuse race aviaire. Incroyablement avancée, ils ont colonisé beaucoup de monde, répandu leur message de paix à travers l'univers. Il y a des enregistrements historiques sur les légendes, enfin des légendes historiques sur les Chozo qui ont visité plusieurs races et ont partagé avec eux leur sagesse et leur connaissance et leur sagesse. Ces brefs rencontres ont laissé plusieurs des cultures de primitifs à leur jour de gloire actuel. Certains disent qu'ils ont aidé à consolider les fondations de la Fédération Galactique. Donc directement les choses sont morts. Enfin, en tout cas, les choses étaient encore vivants, il me semble, sauf si j'ai une ânerie, quand Samus était petite. Ah, une sorte de sauvegarde, c'est un boss. Mais enfin, leur race s'est éteinte assez récemment. D'accord. Pardon. Oula. Alors, il faut les bombes, mais je ne les ai pas encore. Les musiques sont très très cool. Alors, donc ça c'est censé être cassable. D'accord, donc là on va certainement récupérer la balle de Morphball. Enfin, hop là. Ah. Hop là. Tout se pète. Il va y avoir quelque chose là. Les bombes. Presser 1 dans la morbonne pour eux, voilà. Donc un tutoriel spécifiquement. Oh. Tu me donnes des bombes pour pas pouvoir les utiliser? Ah, je préfère. Missile tank. Augmente la capacité de missile de 5. C'est bon, on va pouvoir sauter, c'est vrai. Avec la normal ball. Alors, là, il y a aisément un passage secret. Ok. D'accord, tout pète. C'est bien. On va pouvoir aller là. Oula. J'ai confondu les touches d'attaque et de saut.
D'accord, j'active je ne sais pas quoi. Ah, très bien. Mets ton énergie. J'ai gagné 100 unités de... Enfin, j'ai gagné de la vie, quoi. J'utilise un peu L et R. R c'est L c'est vers le haut, R c'est vers le bas, d'accord. Top dans le pas de touche. Là. Évidemment. Parfait. Pourquoi ici? Ça possède de plus. Alors, il y a donc un énergie de tank là-haut, mais alors comment on va chercher? D'accord, là c'est... Donnez-moi de... Attends, à gauche ça maintenant. On vient dans la salle d'avant. D'accord. Alors ça, il va falloir certainement balancer un missile dessus. Non. J'étais pas encore ce qu'il faut, c'est possible. Si j'avais tout débloqué d'un coup, ça m'aurait fait deux réserves d'énergie d'un coup, ça aurait été un petit peu pété. Hein. Hop là, parfait. Ouh là, là il y a eu un truc qui s'est échappé ici. Mais alors où? Est-ce qu'il y a un bout du pont qui est pétable peut-être? Ah, tout sauvegarde, ça sent le boss. Effectivement, vu la disposition de la salle, ça sent le boss. Oula, ah non, peut-être pas. Ah, donc oui, si. Oula. Ah, déjà! D'accord. Genre, on a ça dès le départ? Ça pique, forcément. Ça c'est... Wow. Tu me donnes déjà ça? Attends, il doit y avoir un truc... quelque chose là. Peut-être là. Ils mettent un petit chemin comme ça sans... sans mettre de... Attends. Oula. Non, ça. C'était juste une idée de merde. Voilà. Donc, on se met en boule. Et on s'accroche. J'ai un dash ou j'ai rêvé? Il y a beaucoup de power-up, mais pas beaucoup de boss, c'est étrange. Enfin, là il va y en avoir un, donc. En même temps, c'est qu'il y a une Metroid dans la zone, donc il y a un Metroid, donc. On va les vérifier.
Évidemment, là, je vais pas pouvoir. Ah là. Ah, ça fait mal. J'ai pas visé. C'est bon. Ah, j'ai même pas le tir chargé, j'ai même pas. Attends. Et non, j'ai pas de tir chargé. Bon, je tue un maître. C'est fait. Bon, je vais pas prendre un peu chasse. Là. Attends, maintenant j'ai. Je tiens pour up, utilise-le. Attends, comment on fait pour monter là? Ah d'accord, il fallait faire ça dans une combinaison. Somme toute. Voilà. Là, ça fait déjà pas mal de vie. Après, c'est vrai qu'ils mettent souvent. Ils mettent souvent beaucoup de vie dès le départ, histoire qu'on puisse assurer un petit peu sur les boss, parce que sinon. On se trouve vite démunis quoi. Hop là. Oui, c'est justement s'ils ont fait un truc comme ça, c'est pour plus pouvoir passer. Là, complètement. Pas de chargé, c'est quand même. Vous avez déjà un truc chargé dans Metroid 1? Alors, on vient au même endroit? Attends, mais c'était une grosse, grosse salle, ça, en fait? On pourrait planquer des secrets ici, non? Je sais pas. Bon, sans plus. Je m'en vais un peu au pif, mais. Rien d'intéressant, c'est juste qu'ils ont juste fait ça pour le problème. Bah, après, il y a l'air d'avoir quelque chose là-haut. Peut-être que. Ça doit être sur ce comme ça. C'est vrai que. Super Metroid et Metroid, on sent un peu enlevé de ça. Et même Metroid Fusion, c'est un univers, enfin, c'est un environnement qui est assez technologique, on va dire. Donc, attends, pour le coup, est-ce que je suis vraiment allé partout? Parce que. Oh, non, 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 attends, je vais pas tout visiter là. Ah, mais j'ai pas visité la partie basse, ce machin. Bon, attends, pour l'instant, on va continuer de ce côté-là. Hop là, on sauvegarde. Non, c'était pas là qu'il fallait jeter. Non, c'était pas là.
Je me suis planté. Non, c'était la ronde d'après. Le gameplay est vraiment fluide, c'est agréable. Hop là. Allez, perte verbeille. Hop là. Je ne suis pas allé là. Endroit caché. Oula, il y a beaucoup de. Ils sont vachement généreux avec les missiles dès le départ. Hein. Ah, attendez, c'est pas fini, il reste encore quelque chose, on devrait. Ouais, voilà. Alors. Hop là. Hop là, tout bêtement. C'est un peu bizarre. Voilà. Bon, mais ça fait 3 réserves de missiles d'un coup, c'est. D'accord, et là ça arrive là. Oups. C'est ce machin. Chose activée. Ah! Ah, non, il va falloir quelque chose de glace, je pense. Hop là. Oula! Et reviens par là, toi. Ah putain, gros machin, là. Ah, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile. Après, je viens de me casser le cul à les tuer, on gagne pas de on gagne pas d'SP, moi. Ah, bah voilà, bah, ça tape le missile de glace. Ah non, c'est. Ah, c'est d'accord, c'est la charge, c'est le repuissance. Très bien! Un truc secret, il a juste fait une salle pour tout. Ouais. Je vais faire le secret. Là. Parfait. Alors, ici, je suis passé avec le charge beam. Et non, c'est pas ça. Non plus. Je ne sais pas. Ça pourrait être. Parce que là, j'ai déjà découvert toute la zone, donc. Et j'ai trouvé qu'un seul métro, et tout ça qui me. C'était vachement petit, j'ai vachement de trucs, c'est curieux.
On va tenter d'aller dans la zone en bas. Attends. Moi. D'accord, ça charge, c'est bon. Donc... Ah, putain, ouf. Et reste là, toi. En profiter pour sauvegarder, parce que la sauvegarde est à côté. D'accord. La question que je me pose, c'est est-ce que j'aurai accès à cet endroit-là ou est-ce que je vais être bloqué par la lave? Comment je vais pouvoir y accéder? Parce qu'en fait, j'aurais juste une connerie. Vas-y. Ça va. On sauvegarde. Oula! Déjà, il y a un métro qui traîne par là. C'est curieux ça. Ah non, c'est juste pour faire. C'est moi qui délire. Là, t'es bien censé venir ici après. Je fais. D'accord, c'est simplement un skip. Petit poussin, lol. Sonic Environment. Alors, les Breeding Grounds. Cette zone. Enfin, crée son propre écosystème qui favorise la croissance des Metroid. Le terrain lui-même est dangereux. Tendre. Enfin, la croissance de je sais pas quoi. En tout cas, enfin, il y a des reflux d'éléments chimiques corrosifs. Les prédateurs opportunistes et les scavengers, les carnivores, je suppose, peuvent reconnaître que c'est un endroit, idéal pour manger. Alors, prendre avantage des animaux morts et voilà. La présence au moins d'un métroïde est attendue quand ses habitats. Les tendrils sont déterminés d'être une origine artificielle. Synthétisés par la technologie avancée de Vemtod, ils absorbent les nutriments de la matière morte. Superbe! Je suis désolé si mon anglais n'est pas. Enfin, je traduis. Enfin, moi je comprends, mais je traduis un peu au tac au tac, on va dire. Donc. Je traduis pas aussi vite que ce que je. J'aimerais. Oh non, on va se battre là-dedans. Oh, déjà, on arrive dans la zone juste au-dessus de la. Ouais, c'est là. Bon, je profite que j'ai un peu de marge. Oula, il a plus de vie, lui. Allez, moins 2. Donc il reste, semble-t-il, un métroïde dans la zone dans laquelle de l'entrée. Parce que c'était plutôt la zone, c'est un temple tutoriel. C'est un temple Chozo qui essaie pas mal de reliquats, on va dire, de. Ici. Non, non c'est juste le mec qui s'est tapé son délire, il a collé sa zone. Remonte, remonte. Ah, il y en a un autre ici.
C'est pas évident. On n'a pas une place qui est exceptionnelle pour pouvoir se mouvoir ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre un peu à lire? Attends, non, non. La planète. Cette espèce native. Ouais. Bon, je dirais ça un peu plus tard. L'or peut être intéressant. Bon, comme c'est du lore en anglais, moi je pourrais lire, mais il faut que je traduise un peu à chaque fois, donc c'est pas évident. Ouais. C'est pas le problème de traduire, hein, moi je. Ah, mais il est déjà là, lui? D'accord, ouais. Voilà. Je vais traiter un peu de ma vie. Par contre, il y avait une coquille de plus là-haut, donc ça veut dire qu'il y en a. Ah non, tremblement de terre, d'accord, donc ça veut dire que le magma doit être en train de descendre autre part. Putain, il y avait une coquille ici. Ça me perturbe. Ouais, il y a une coquille. La vie, c'est bien. C'est une zone très brève, c'est très petite. Étrange, bon, bah, on va pas s'en plaindre. Voilà, peut-être pas bazarder que des missiles. On va venir là où la lave nous bloquait. Ah! Évidemment. Hop là. Alors, gardien ancien. Cette sentinelle se déploie des pics, des barrières de pics et des cibles de coins dans son champ de vision, champ d'attaque. Son désarcaire cœur le contraint à opérer à une puissance minimale, l'empêchant de simultanément utiliser son bouclier et son système de mobilité. L'arsenal consiste dans des armes d'énergie avec un pattern unique. Le robot était calibré pour détecter les créatures étrangères portant de l'équipement volé. Les récents tremblements de terre semblent avoir endommagé l'attraction de l'unité et les barres endommagées, enfin, les barres de pique. Malgré ces complications, et ça reste une menace considérable. Donc, je vais charger mes tirs. Voilà. Ça c'est SUV. Je suis pas trop de merde. Voilà. Par contre, je suis un peu de la merde. Je suis assez mauvais là pour tout. Ah, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Oh là, mais il a reçu ses attaques là. C'est facile à expliquer, parce que je fais, moi je suis pas. D'accord, il indique avec ses yeux son pattern. Donc là, c'est la flamme verte. Hop là, pas je bouge. Bleu. Hop là. Bleu, laser. R. Alors là, c'est pas ça. C'est pas loin de mourir là. Ah voilà, bon, je suis mort.
Tant pis, on recommence. Ouais, peut-être mieux s'attendre. Ok. Ah, le restart est assez rapide. Bon, je vais enlever. Je peux le laisser repartir, voilà. Mais pour le coup, je m'attendais assez peu au boss qui débarque comme ça. Mais c'est vrai que ça me paraissait bizarre, une grosse zone comme ça sans boss. En plus, l'enfoiré, il est là sur ça. Vert, faut que je reste au-dessous de lui. Jaune, je sais plus. Voilà. Jaune. Je vais aller, voilà. Quand on commence à prendre le truc, bleu, ouais, rester au-dessous. Vert. Faut rester au-dessous de lui, vert. Bleu, faut pas rester au-dessus de lui. Bleu, faut pas rester au-dessus de lui. Ça sent que je vais plus vite là. Vert, faut rester au-dessus de lui. Bleu, faut pas rester au-dessus de lui. Bleu, faut pas rester au-dessus de lui. Je suis en train de masturber le bouton, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est assez difficile à y esquiver. Rect. Ouh. Intéressant. Alors, est-ce que avec ça, il n'y aurait pas par hasard la possibilité d'aller voir un peu ce qu'il y a en haut? Ou est-ce qu'on perd l'araignée quand on change de map? Ah non, on la perd pas. Donc, il doit y avoir quelque chose là-haut, je pense. Ah! D'accord, effectivement, la nuance est là. Excusez-moi. Maladie sur 20. Surtout, je vais sauvegarder ici. Je m'en retape pas le boss quand même. Pour une cause conne. Faut que je me mette là. Hop là. Ah. On utilise la. Donc, la plateforme pète si on utilise le. Utiliser ça, justement. Est-ce que tu peux revenir à la plateforme? Non? Oui, non, peut-être, non. Voilà. Hop là, on va la faire popper. Hop là. Ah, même ces plateformes-là se pètent. D'accord. C'est... Je sais pas trop comment faire alors. J'ai l'air d'avoir des trucs sympas là-haut. D'accord, ça peut être aussi les piliers. J'ai tout gagné. J'ai
peut-être pas encore les thèmes qu'il faut, c'est dit, hein, c'est possible. Est-ce que ça va m'aider, ça? Pas vraiment. Ah, mais attendez, il a l'air d'avoir un... Il a l'air d'avoir une salle là-haut. Une salle par la porte jaune, donc, par la rouge. Non, enfin, je sais pas, j'ai un problème avec les couleurs. Peut-être qu'il y a une salle cachée que j'ai pas trouvée. Ça sent qu'elle n'avait plus là. Ça sent que c'était déjà l'emploi de base, le fait que la lave. Plus on tue Metroid, plus la lave se barre. C'est complètement logique, mais. C'est une question de. De gamme design. Donc on a l'air d'avoir une descente là-bas. Si on a quelque chose, non. Ok. Ah, là, très bien. Pouvoir s'enfoncer dans les profonds. Oula. On sent le changement de strat. Ah mais fuuu. Voilà, ça va mieux. D'accord, très bien. Ce qu'on aime. Attends, peut-être que tout simplement si je. Ah, mais c'est plus compliqué que je pensais. Attends, j'ai peut-être une idée. Là, est-ce que si je fais ça, ça va un peu me propulser sur le... Oui! Ah ouais, enfin, c'est... Il faut que je sois très solide. D'accord, j'ai tout gagné. Je veux pas sauter vers le haut, je veux sauter vers... Ah d'accord, ça me remet automatiquement... Ah, c'est vrai, c'est compliqué. J'ai quelque chose de caché ici, semblerait. Ah, voilà. Voilà, très bien. Alors, pour ça que j'ai comment j'ai su pour ça, c'est qu'en fait, c'était indiqué sur. Sur la map. La map, il y avait un petit indicateur. Indique quand un thème n'a pas été pris dans la zone. Ah, ça va être tendu, hein. Ah, mais enfin, ça se casse direct, je crois. Je vois pas trop quoi faire. Putain. Bien. Si on vient sur ici. Ah, je pense que c'était fait de cette manière-là. Je vais me faire chier.
Attends pour raconter, mais. Ah si, c'est bon, ça passe. Ah, tout ça, mais lol. Bon, allez, laisse tomber. On verra plus tard. Peut-être que j'ai pas encore les thèmes qu'il faut. Alors, est-ce que tu peux arrêter de... Hop là. Très bien. Avec l'ennemi qui n'apparaît pas à l'écran, je ne peux pas être tué. Chose à savoir. Allez, pour moi, la vie que j'ai perdue. Battement. Ça va, on progresse bien. Alors là, il y a tout fait du panquet. À savoir. Oula. Alors, alors ça, je vais plus trop vite. Ah d'accord, 7 métroïdes ont été détectés dans la zone. Attends, descends. Ça paraissait assez obvious. Oula. Ah oui, il va falloir double saut. Qu'on se sente, je vais pas être blessé. Ouais, faire attention. Voilà, parce que j'avais pas accès tout à l'heure, c'est ça. Ça, le transition. Étrangement, non, on revient sur la gueule. Ah, d'accord. Je veux dire que ce soit un peu plus dosé, sinon c'est pas drôle. Dégage. Tu as cassé ici. Scanning environment. Alors, hydrostation. Cette usine massive est au centre des filtres de réservoir, enfin de réservoir de ouais, je sais pas, et pompe l'eau à travers des énormes tuyaux. Ces tuyaux viennent d'un complexe, enfin sortent du complexe et disparaissent dans les roches environnantes. Supposément pour supporter un autre. En construction plus loin dans les grottes avec de l'eau propre. Pas semble-t-il abandonné, mais une bonne partie reste fonctionnelle. Une activité robotique a été détectée à l'intérieur. Tu m'as déjà donné ça dès le départ. On va voir si c'est le départ. Mais... Ah! Ils ont quand même prévu le coup, ça va. What? Ah non, d'accord. Alors je... On peut casser le jeu sans souci. Tant mieux. Très bien.
Après, ça nous quelque part. On finit par tourner en rond maintenant. La salle est énorme en tout cas. Je continue, hein, c'est un temps que j'ai pas atteint mon stack. De l'autre bout de la pièce. Ah! Déjà, il y a une petite saloperie qui va nous attendre aussi, certainement. Là voilà. Allez, monte. Je sais pas si elles sont tout aussi faciles à battre, mais. Bah, très bien. Rien de pétable ici. Juste de la déco, très bien. Peut-être que je vais essayer de continuer par. Voilà, mais j'ai. Oh, c'est une grosse salle en fait, d'accord. Une réserve de missiles de Ronkadin, un missile. Je sais pas si j'étais censé arriver par là, mais. Ah, ça y est, je vais t'attaquer maintenant. Ah, d'accord. Un truc dans lequel on peut aller ici. Ça se fait. Sur distance, ça se fait. Voilà, des missiles pour le calmer. T'es résistant, hein? Là, mais. Double saut? Dites-moi que c'est double saut. Oui! C'est pas le double saut. C'est mon saut. Ouah! Ah, c'est pas un saut, ça, c'est. Les petits secrets. Là. C'est très efficace, machin. Très bien.
Invisible. Hop là, on tombe. J'ai un gros saut maintenant. Un saut qui n'a aucun sens. Hop là. Ah, d'accord. Oh là là. Mon dieu. Oh, ce pattern de saut. Ah, c'est une horreur. Voilà, ça c'est fait. Ce qui aimait m'être bien utile dans la zone, je pense. Apprendre que là, les sources ça devient ingérable. Tu dégages, voilà. C'est saut qui veulent plus rien dire. Bon, t'as fait pas la chose. Attends, là, je suis en train de lancer des missiles. C'est dans une autre angle. Voilà, donc déjà, il y a... Est-ce que... Oh là là. Mon dieu, c'est ce tombeau. D'accord, voilà ça. Allez, dégage toi. Ah, voilà. Hop là. Jusqu'ici. Une sortie secrète, je ne sais pas. Bon, d'accord. Tout ça pour ça sur 20. Casse-toi. Ah! Peur. Bon, moi j'ai déjà ramassé. Merde. Bouge-moi. Alors là, ça va vite devenir chiant par contre. Très bien. Monte. Là. Hop là. Parfait. Je disais, je commande pas énormément, mais je suis assez concentré sur ce que je fais. C'est... Putain, ce truc a popé. Hop, on passe à l'intérieur. Bon, là c'est un bon morphing. Hop là. Comme ça. J'ai repoussé, je sais pas. Ouais, c'est un item que j'étais pas encore.
Toujours rien, rassurez-vous, toujours me faire chier, toujours debout. Bah, je vais dire qu'un skill, mais au final. Alors, ok, très bien. Oh là là, ça va être. Oh, ça va être mon PV, je pense. Oh là 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 là, la maniabilité sur 20. La technique, la méthode plus simple. Sais pas que c'est chiant, mais c'est un peu chiant. Ah, je peux pas viser. Voilà, hop là. Là. Allez, hop, on te remoule. Là, il y a quelque chose. Voilà, je prends trop de dégâts. Où est la sauvegarde la plus proche? J'ai pas encore trouvé de sauvegarde dans cette zone-là, c'est chou. Tout ici. D'accord, c'est une sortie, c'est pas une entrée. Donc là, on remonte tout. Mais on peut pas. Oula. Ah bon, c'est bon, c'est. Oh là là! Il faut vite que je trouve du soin. Enfin, faut vite que je me soigne quelque part, ou faut vite que je. Revienne à une sauvegarde. Hop là. Normalement. Pas de mal de la vie, c'est cool. Tu peux me donner aussi un petit passage, un petit soin, comme ça. Je sais pas quoi d'autre. Une zone de sauvegarde, non? Quelque chose? Ah, bah merci. Quand même. Passe là. Hop là. Je vais débloquer. Des emmerdes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin? Attends, il n'y a pas de. Scan des trucs natifs ont révélé leur plus grande forme.
dans le précédent précédent était globalement leur stade larvaire. Tandis que certains enregistrements montrent des démonstrations extrêmes, montrent bon, orchestrées par les pirates de l'espace qui usent normalement leur stimuli. La maison de Metroid, enfin les Metroids de leur maison, enfin leur habitat naturel, et semble-t-il le environnement auquel les espèces peuvent naturellement se transformer. Alors, Arachnus, un organisme territorial qui se cache dans une armure vraiment résistante et qui requiert au moins un haut voltage pour décharger pour le bloquer. Attaquer avec n'importe quoi ne fera que provoquer la créature. Quand il sera enragé, il va se transformer en boule et tenter de fracasser l'agresseur. Les bombes peuvent être capables de propulser de cet état. Sa salive est enflammable, enfin des propriétés inflammables, et ses crocs qu'elles peuvent vibrer à une grosse fréquence pour lancer des vagues soniques. Est-ce qu'elle a détecté qu'il a acquis une Rikshozo qui lui conférait une vigueur non naturelle? Je ne connais pas du tout son plan d'herbe, hein, donc. D'accord, bien sûr, moi. Oula. D'accord. Voilà, ça fait je balance. Faut que je balance sur les pics. Il faut que je l'énerve et balance sur les pics. C'est mal barré, hein. Je vais tout de suite parce que là je perds une vie considérable. Je joue très mal aussi. Je vais mourir, certainement. Je suis mort. Allez, on recommence. Cette fois, on a essayé de faire de la merde. On saute. Là, on peut tester. Je masse sur le bouton, c'est. Voilà, première blessure. On sort déjà un poil de mieux. J'en avais suffisamment pour que. Ok. Voilà. Ah mais rebondir en plus. Oh la gare. Ah la garce. Oh les. Voilà, c'est bon. Ça devrait être bon, j'espère. Oula. La Spring Ball. What? Ah, je peux faire des sauts avec avec la balle la balle sprint.
Ah, ça permet de sauter. Ça devrait pouvoir me permettre de remonter sans avoir à me retaper tout le chemin. Voilà. On avance bien. Bon, je pense que j'arrêterai à 23h. Bon, j'aurais pas eu de viewers, mais bon, la rediff YouTube est là pour ça. Dans le doute. Oula. D'accord, mais en fait, les gens n'étaient pas du tout. Jusque là, c'est déjà pas du tout comme il fallait en fait. Ah oui, en effet, effectivement. Waouh! Ah, j'ai exploré la zone dans le désordre. Ah, c'est bien, hein. Ah, ça, je suppose une sauvegarde, mais elle a été déplacée. D'accord, donc là on passe du côté non visible du tuyau. Allez, arrête de faire de la merde. Voilà, c'est plus simple. Voilà. Tout ce qu'on aime. C'est un peu barbare, mais ça marche. Là, c'est une sauvegarde. Je vais essayer de le tuer, je pense, franchement. Parfait. Ça, elle est putain de grande en fait. L'aune aussi ici, ou c'est juste qu'on a. Ouais, on a. D'accord, on est limité par. Déplacement. Toujours des portes blanches, je peux pas ouvrir. Voilà. Alors là, ça va être un peu plus technique, je pense. Alors, c'est là pour s'amuser. Non, en fait, il fallait tout maintenant se mettre en boule. Non, mais oui. Ah, il a fait que je garde toute ma boule. Je pense que c'était par là qu'on était censé accéder à la. Au Metroid d'en haut là. Je regarde un peu la map, mais ouais, ça doit être ça. Je vais quand même aller en haut dans le doute où j'ai oublié quelque chose. Même si ça a l'air sommairement d'être là-bas où je. J'étais déjà censé être allé. Enfin, où j'aurais. Enfin, j'aurais dû passer par là plutôt que me taper le bon contour, mais. Ouais, globalement, ça arrive là. C'est ça. Hop là, attends. Il y aura de l'eau aussi, je pense. Alors, c'est quoi ces trucs là? Tout sauvegarde. Un petit boss. Oula, changement radical de zone. Oula.
Alors déjà, une petite saloperie nous attend par ici. Pour les des grandes. Ouais, à nouveau par rapport à... Voilà, forcément, ce que je ne voulais pas faire. C'est vraiment tendax de se déplacer avec un truc comme ça. Ah, mais elle était bloquée là. Oh, chat, quoi. Allez, arrête de dasher, viens ici. Viens te battre, c'était un Metroid. C'est pour ça? C'est bon? C'est décevant, enfin bon. Je suis là pour voler pas trop, mais bon c'est. C'est curieux ça. Non mais pas, d'accord. Ouais. Ça aurait pu, hein. Alors là, il y a un truc caché. Non. Là, il doit y avoir un métro qui est planqué. Voilà. Ok. Il y a beaucoup de tuyaux qui ne donnent sur rien. D'accord, la station était juste là pour couper en deux. Le maniement des sauts est vraiment imprécis. D'accord, bonjour. Ah, mais il a des pattes, lui! C'est de viser, c'est pas évident. C'est parti où? Ça va pas. Allez, reste là. Reste là! Voilà. Beaucoup de soins. Putain, cette salle de l'enfer. C'est du millimétrage de couilles pour les déplacements, c'est... Que j'ai reloupé, mais non, il n'y a pas d'objet caché. Bon, ben voilà. Voilà, ok. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Gamma Metroid. Metroid dans ce stade peut maintenant transformer de l'air. Des charges négatives pour de leur système nerveux qui est dans leur corps. Qui redonne des arcs électriques. Par faire sortir des arcs électriques capables de casser le feu de l'arme. Mais en vrai, on contient. Son noyau reste vulnérable, mais le gametroïde avec le squelette peut s'être étendu pour une protection additionnelle. De plus, c'est. Comment ça s'appelle? C'est
jambes ont atteint leur taille maximum. Elles sont pas pratiques pour la locomotion. À la place, elles peuvent servir pour capturer la proie et dresser son énergie. Super! C'est ce qu'on aime. Je fais trop de la merde, je vais bientôt atteindre un domicile. Il a de la ressource. Ah, mais je suis presque mort! Oh! C'est bon, il est mort? Bon, c'est chaud, ça peut. Maintenant, faut que j'aille sauvegarder, vite! Faut pas que je perde de la vie bêtement sur des trucs comme ça. Je vais sauvegarder, hein. Je me jette sur la sauvegarde d'abord parce que. Je suis pas bien dans ma forme, on va dire. Des pics de partout. Il reste encore deux Metroid. Mais il a pas compté le Metroid, le gros Metroid en question? Il y a quelque chose là. D'accord, ouais. Un Metroid simple. Je croyais le planquer, mais il est toujours pas. Ah, okay. Arrête de faire de la merde. On en parle. Alors sinon tu peux arrêter de faire de la merde en boîte. Il est où? Peut-être au fond de la salle, je sais, mais... Voilà, il commence à esquiver. Ils deviennent intelligents! Arrêtez tout! Oh, c'est moi qui deviens complètement mauvais. Alors, je sais pas si ça se voit, mais mes yeux commencent un peu à piquer. Voilà ce qui est. Enfin, ce qui est. Je sais pas si c'est la concentration, c'est. Hop là, voilà, c'est fait. Oh bien! Quelque chose en bas à droite, ou est-ce que c'est simplement une grosse salle pour. Ah, c'est bien intérêt de faire des grosses grosses salles pour un combat où tu peux se concentrer sur un petit bout de la map. Hein, bon, il y a un plus. Très bien. Alors, on peut la gueule de la map pour l'instant. D'accord, donc là on est bloqué parce que. Là-bas, d'accord. Il y a sensiblement plus rien de ce côté-là, d'accord. Alors là, il faut aussi comprendre où est le truc caché. J'essaie d'aller. Je vais essayer de voir si je peux avoir un bout de mur sur le côté. Est-ce qu'il y a un truc pour s'accrocher à la paroi ici? Qui sera suffisamment proche du mur. Oui, complètement. Alors là, on est parti pour un moment qui va être très très chiant, parce qu'on va traverser toute la salle comme ça. Ça se trouve pour rien, hein. Alors j'en profite pour... Et je vois que ça va bientôt être 23h, donc je vais certainement arrêter après... à la prochaine sauvegarde. Petit instant boiteux. Boire. Bon, en tout cas, ce petit échauffement, on va dire, sur le jeu a été très cool. Bon, je suis un peu mauvais, ça se voit. Mais
Non, honnêtement, le principe est cool. C'est vrai que j'avais peur que ça me gave un peu, mais non, en fait, ça va. L'action plateforme, c'est. De toute façon, les Metroid, c'est souvent gorgé de petits trucs et. Ce qui fait que je peux difficilement dire non. Ah, d'accord, bah, j'ai complètement chié ce que j'étais en train de faire. Où est le secret ici? Il y a un truc planqué là. Ah, attends. On va tenter quelque chose là. Même pas? Sans déconner. Bon, très bien, bah. C'est ma foi un peu décevant. Je sais pas. Je suis à court d'idées. Bah, je vais quand même essayer de défoncer le dernier Metroid de la zone, et puis après, bah. On repartira vers les méandres du dodo. Ah, je suis bloqué. Là-haut, j'étais bloqué. Je crois que j'étais bloqué aussi. Il reste que dans la flotte. Forcément. Gravité lunaire. Pas enfin, aquatique, mais. C'est la même chose. Pas dans gravité lunaire, je serais plus apte. Quelque chose là. D'accord, ça tenait le niveau de l'eau. Ouf, ça m'a l'air pas très sympa ce machin. Ah, c'est pas si. Ah, ah, je peux pas m'accrocher en. Cool. L'eau a pas l'air d'aller totalement. À voir. Allez, monte. Hop là. Oh là. Nul sur 20. Nul. Tu vas pouvoir y aller comme ça. Ça a marché. C'est tout ça pour ça? Attendez 10 secondes, je crois que. Pause.
Oui, alors j'ai eu quelqu'un qui tapait à la porte, donc forcément. Ça se tient. Donc, bon, on va s'en arrêter là, justement, parce que ben, je vais devoir faire cricher des gens sans que ce soit prévu. Donc, attends, on va peut-être remettre la fenêtre parce que je ne vois pas correctement. Bon, on ira chercher le dernier Metroid qui me manque plus tard. Ça va voir si je peux couper ça un peu. De toute façon, j'espère que Nintendo aura pas grand-chose à dire au niveau des droits d'auteur ici. De toute façon, ils font déjà assez chier avec Power Splash. Oh, allez, à la zone de sauvegarde, on s'arrêtera ici. Et on reprendra ben, certainement en janvier parce que il y aura les vacances et je n'aurai pas accès à une connexion décente. Voilà. Et je ne sais plus jouer parce que. Moralité, la sonnette de ma porte provoque en moi une grosse crise de je sais plus jouer sur 20. Voilà, zone de sauvegarde juste ici. Très bien, bon, et on va s'arrêter là. Donc, prochain live, donc là, on va avoir 2 semaines de pause. 2 semaines de pause, et après, on essaiera peut-être de terminer M2R. Donc sinon, on a une personne derrière moi. Et après, donc, on attaquera Zelda 2 ou Pikmin 2, je ne sais pas dans l'ordre des ordres. On verra bien. Bref, merci bien à personne, visiblement, parce qu'il ne reste plus personne, d'être resté jusqu'au bout. Donc merci aux gens de YouTube qui vont certainement voir cette vidéo tard, parce que le temps que j'uploade le reste des rediffs de Color Splash, et ben, il y aura encore des trucs à faire. Bref, merci bien d'avoir regardé. Sur la fesse droite à tout le monde, et évidemment je n'ai personne pour me dire quand est-ce que je peux couper. Donc est-ce que je peux quitter le jeu comme ça? Game. Oui. Et bien voilà, merci Bing, et à la prochaine. Je n'ai pas coupé le micro. Désolé, je ne pas, mais...